Général Makoso qui m'a toujours soutenu dans l'ombre. Et puis le pasteur Makoso m'a soutenu en pleine émission. N'est-ce pas? Il est venu, j'entendais parler. Et puis j'ai aimé son émission. Il avait fait une émission. Tu étais dans ton bureau, puis on t'a posé des questions. C'est le plus égayé des pasteurs. Mais Dieu aime les gens qui sont farouches. Parce que le diable, il faut le limer. Il ne faut pas t'amuser. Et puis je vais vous dire quelque chose. Ma maison n'a pas brûlé. Ceux qui veulent que je brûle, là, ceux qui veulent brûler. C'est ma voisine. Elle est enceinte. Elle dormait et elle a oublié quelque chose sur le feu. Quand je l'appelle le pepito là un peu. Voilà. Et comme ça, j'étais en train de faire des courses à billetterie. Voilà. Et le gérant de lui-même m'appelle. Ah, maman, vraiment, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Tu es en deuil, tout ça. Il y a un malheur qui est arrivé. J'ai dit, oh, où encore? Il y a le feu chez la voisine. Il dit, où? Est-ce que ma maison a brûlé? Mon appartement a brûlé? Il dit, non. Puisque chez moi, j'habite pas. J'habite pas dans des conditions bizarres. Depuis ma naissance, je suis dans l'immeuble. Aux États-Unis, c'était building. Pas de ma faute, j'étais au 16e étage. Voilà. Donc, je continue ça. Et même mes enfants, c'est comme ça, chacun évolue. Dieu demandait, est-ce que ma maison a brûlé? Parce que d'abord, il faut penser à ça. Mais quand j'ai fini mes cours, je suis arrivé chez moi. Effectivement, le matelas, parce que j'ai des maux de dos. À force de coucher ces muscles-là, j'ai mal au dos. Donc, il y a des matelas qui soignent le dos. Ces matelas sont entre 120 000. C'était 120 000, mais j'ai négocié à 80 000. C'est ce matelas, puisque les flammes, les résidus de flammes la tombaient, elle est au-dessus de moi. Donc, les résidus, en éteignant, les résidus de flammes la tombaient sur mon balcon. Vous savez, tout ce qui est coton, tout ce qui est vie, ça prend vite. Mais comme Dieu, il est amoureux, du troisième étage, les gens versaient des seaux d'eau. Versaient des seaux d'eau pour ne pas que la flamme du matelas prenait. C'est que quand je suis arrivé à la maison, effectivement, il y avait de l'eau, mais tout ce qui était dehors, sur mon balcon, a cramé. Dieu merci. Ma vie est saine et sauve. Hier, j'ai vu des choses. Je ne peux pas mourir maintenant. Ma grand-mère, la maman de ma maman est morte à 120 ans. Vous avez vu ma maman, non? Vous avez vu le visage, là? Elle a 70 ans passé. Il n'y a pas rides. Moi, je vous ai dit, il y a 50 ans passé, il n'y aura pas rides. Merci. Je pense que les nouvelles sont très bonnes. Nous étions une première fois passés d'Iyako à la famille. Malheureusement, avec nos différentes tournées, nous n'avons pas pu être au stade. Nous avons pu, à partir des réseaux sociaux, mener notre campagne que nous pouvions prendre le soin de faire. Par la grâce de Dieu, nous avons vu combien de choses, deux fois les choses se sont bien passées. Et il est plus qu'important qu'après que l'État et puis, je peux le dire, organiser les obsèques, rendu l'hommage à DJ Arafat, que ceux qui aiment Arafat maintenant viennent saluer la famille, viennent saluer la conjointe, Carmen, viennent saluer le bébé, saluent les enfants. Et nous, famille Makoso, nous avons décidé, avec ma petite soeur Lolo Beauté, de venir prendre le soin de saluer, comment on appelle ça, la maman, parce que nous avions pris un engagement devant la nation et nous sommes venus honorer notre engagement. Il y a quatre parties que nous allons prendre le soin de voir. Il y a d'abord la maman. La maman qui aujourd'hui n'a plus son fils. Son fils qui demain pouvait réaliser de grandes choses. Aujourd'hui la maman, avec tout ce que l'État a fait, aujourd'hui la maman peut prendre le soin de le dire. Elle est obligée de marcher en regardant en arrière. Parce que tout simplement pour plusieurs personnes, c'est une pluie de millions. Et autres, nous nous en rendons compte ici que même pas un pecto. Et nous sommes venus vraiment avec notre pecto saluer la maman. C'est pas grande chose, mais la maman, comme nous l'avons pu le soin de l'indiquer, a pu obtenir le geste venant d'un fils, qui est le révérend Camille Makoso. C'est notre maman. Une maman à son tempérament. Une maman à son comportement. Une maman à sa façon de faire. Mais une mère reste une mère. On ne critique pas une mère. Des gens n'ont jamais perdu l'enfant. Moi, j'ai eu le malheur de perdre ma fille. Je connais la douleur qu'un parent ressent. Et la meilleure manière, c'est de venir dire Yako. Nous pensons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maman Tim est présente. C'est vrai, il faut venir dire Yako. Mais mes amis, nous sommes dans la culture et dans la tradition africaine. Un Yako sans pecto, ce n'est pas un Yako, c'est un buzz. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Dans l'émotion, hein. Vraiment, merci beaucoup, merci Rémi. Merci beaucoup. Merci pour ton geste. Merci. Pas ici comme ça. C'est gentil. Merci.